Juste un petit mot par rapport à l'étape du jour. Ben, on parlait de Julien, c'est notamment une étape qu'il a cochée. Oui. Ça peut être intéressant pour lui et pour vous. Si c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour nous, parce qu'à la fin du jour, il roule dans notre équipe. Donc si lui gagne, nous sommes contents. C'est comme équipe et comme en total. Oui. Par rapport à hier, vous êtes pas très loin. Vous êtes satisfait de la performance de l'équipe? Ouais, moi, je savais déjà depuis des semaines que Jumbo était le grand favori, qu'on est battu par une seconde par Ineos. C'est dommage, parce que quand même, battre Ineos pour la deuxième place, ça aurait été encore mieux. Mais bon, je ne peux pas être déçu quand on voit que certains favoris comme Bardet sont déjà 1,5 minute. Julien, pensez au maillot jaune, il se retrouve à 31 secondes, c'est encore possible? Bah, 31 secondes, c'est beaucoup et c'est rien. Ça suffit le prochain jour, prendre la bonne échappée ou faire quelque chose, ou ne pas perdre du temps à la plage de Bellefille, et puis après on verra le tour est long, très long. Pour aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup à rattraper quand même. Ouais, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a des autres qui vont faire le sprint, certainement, si c'est un sprint. Mais on va tout faire pour aider Julien à gagner l'étape. On peut s'attendre à avoir du bleu dans le final avant les bosses, parce qu'il y a un bel enchaînement là quand même. J'adore voir le bleu devant. Très bien. Okay. Merci Patrick.